Merci aussi nos amis du CIF, le Conseil international des femmes entrepreneurs, dont je suis membre du bureau exécutif et présidente de la cellule CIF-le-KEF. Ensuite, je voudrais remercier nos speakers, ces femmes d'exception, qui nous ont accordé de leur temps pour venir parler de leur expérience pendant la période Covid et comment gérer la suite. Ensuite, je voudrais remercier l'équipe RIED, à leur tête notre ami Iskander Haddar, pour leur professionnalisme, d'avoir fait de RIED cet événement incontournable pour l'entrepreneuriat, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Et puis, surtout, Fahmi Benjeddou, pour sa patience et sa persévérance. Donc, là, on attaque le panel avec des femmes d'exception. Généralement, c'est le même modérateur qui pose des calls aux speakers. Là, j'ai séché en essayant de présenter ces femmes d'exception que je ne pourrai présenter moi-même. Je vais leur laisser le soin de se présenter elles-mêmes. Et je commence par notre amie, Madame Rim Bdieff Akrmi, directrice générale de Topnet, première FSI leader en Tunisie. Et je vais lui demander de bien vouloir se présenter, mais aussi de nous parler par la suite de son expérience dans la gestion de la crise Covid, moment où il y a eu une demande fulgurante en digitalisation et en connexion. Tout à fait. Je commence par te remercier aussi, Emina, pour l'invitation. Je remercie aussi le CIF pour l'occasion qu'on m'a donnée pour participer à ce panel. Et je remercie aussi toute l'équipe RIEDA pour leur persévérance pour maintenir les événements, des événements importants pour faire avancer les choses. Pour me présenter, je ne sais pas comment me présenter, je vais dire deux mots. J'ai une expérience de 24 ans dans le monde telco, et plus précisément chez l'opérateur historique Tunisie Télécom. Tout au long de ma carrière, j'ai chapeauté plusieurs responsabilités, passant par l'achat, la gestion du marché, l'administration des ventes, la facturation, le recouvrement, le commercial, le marketing. Et j'étais nommée en 2017 à la tête de la direction centrale marché-entreprise. Et depuis mai 2019, je suis à la tête du FSI leader en Tunisie, qui est Topnet. Je reviens juste par rapport à la thématique, je vais dire deux mots, parce que c'est très important de parler de la résilience. Et pour moi, selon moi, nous tous, tout au long de notre parcours, tout au long de notre vie, on passe par ce processus de résilience, et nous rencontrons tous des moments de crise. Et la différence entre une personne résiliente et une personne non résiliente, selon moi, ça réside dans la façon de voir les contraintes et les obstacles autrement, et les transformer en porte, en nouvelle porte, nouvelle opportunité et un nouvel élan. Et on parlera aussi ensuite de la relance plus tard, et c'est un sujet très important. Voilà. Alors, tu vas nous parler, Rim, d'abord. Oui. D'accord. Tu nous parles d'abord de comment tu as pu gérer cette crise face à une demande croissante dans ton domaine, et comment tu as pu gérer ton entreprise, toi qui es une femme dans un poste à haute responsabilité. Alors, en fait, je ne vous cache pas, Marita, il y a un facteur qui nous a facilité la gestion de la crise au niveau de Topnet, car Topnet est en phase très avancée en termes de maturité digitale.
Déjà, on dispose de notre e-shop, on dispose de nos canaux digitaux, à savoir l'application mobile, le site web, le chatbot Aminos. Ça nous a facilité vraiment la gestion de la crise. En plus de ça, dès les premiers jours, même avant l'annonce du couvre-feu, on a mis en place une cellule de crise chapeautée par moi-même et on a anticipé les scénarios. Et on s'est préparé au télétravail, même avant l'annonce, ce qui a fait que le jour J, on a switché en toute transparence, sans aucune incidence par rapport à notre qualité de service ou par rapport à nos clients. Et on a aussi, lors du moment des crises, la communication, elle est très importante. Ouais. On a misé sur la communication interne, comme on a misé sur la communication externe. Par rapport à la communication interne, on était très proche de nos employés, de nos collaborateurs, et on était là pour les rassurer et les motiver continuellement. Et par rapport à la communication externe, on était très proche de nos clients. On les conseille, on les a conseillés, on les a supportés. On s'est transformés tous, en fait, en des community managers, y compris moi-même. Il y a beaucoup de... Mon réseau, oui, on suit, on répond en temps réel, on intervient sur les réseaux sociaux, on s'est converti aussi en télévendeur, on s'est converti en conseiller, et on était très proche de nos clients. Et côté RSE aussi, on a travaillé là-dessus. Topnet a répondu positivement à l'appel du don au titre du Covid. Et aussi, on a organisé une action de solidarité. C'était l'idée des employés de Topnet, en collaboration avec le Croissant Rouge, c'était à l'occasion du mois de Ramadan, pour offrir un couffin assez généreux pour 500 familles. Voilà. Merci, Irine. On va passer à Madame Alissa Arshaker, une femme leader qui occupe un poste à haute responsabilité et pas des moindres, puisqu'elle est la représentante adjointe du PNUD en Tunisie. Merci madame d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse encore une fois le soin de vous présenter. Merci Amina, merci pour les organisateurs pour nous avoir invités, pour partager notre expérience. Bonjour à tous vos auditeurs, à tout le monde qui nous écoute et aux participants dans cet événement. Je m'appelle Alissa Arshaker, je suis la représentante résidente adjointe du PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le Développement. Le Programme des Nations Unies pour le Développement est présent dans 70 pays et appuie tout ce qui est le développement humain, tout ce qui est le développement durable et l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est un agenda, une feuille de route qui a été accordée par 193 pays au niveau mondial pour promouvoir certains objectifs de développement dans le secteur d'éducation, dans le secteur de la santé, dans l'égalité des sexes, etc. Alors, c'est comment promouvoir un développement qui met l'être humain au milieu, au centre, et qui coordonne tout ce qui est nécessaire au niveau social, économique et environnemental pour notre développement. Alors, le Covid a été une surprise, et comme il a apporté, cette pandémie, elle a apporté beaucoup de changements, on les appelle en anglais « new normals », les nouvelles normalités, standard, les nouvelles réalités, elle a apporté aussi des opportunités. Le PNUD a ajusté son appui en Tunisie pour répondre à cette nouvelle priorité, à ces nouvelles réalités.
Je ne sais pas si vous voulez que j'élabore un peu ou après. Alors oui, puisque la COVID, cette pandémie, a vraiment réorganisé les priorités, elle a modifié le mode de fonctionnement classique. On se retrouve au cœur des ODD, au cœur de cet agenda 2030. Donc comment le PNUD en Tunisie a-t-il ajusté ses priorités et son mode de fonctionnement? Allez-y. Alors, comme on est maintenant dans un environnement féminin, je veux juste me focaliser sur ce qu'on a fait pour tout ce qui est l'égalité des sexes, pour tout ce qui est appuyer les femmes dans une situation de vulnérabilité. Et je vais parler un peu plus sur les femmes micro-entrepreneuses, et, parce que c'est aussi la thématique de cet événement. Le PNUD a surtout appuyé dans la partie du Sud les femmes vulnérables, les femmes entrepreneuses, et ceci à travers la digitalisation, les aider à se connecter à travers le repositionnement des écosystèmes de production de certaines filières qui emploient beaucoup plus de femmes. Aussi, on a travaillé sur tout ce qui est le partage du savoir, tout ce qui est le plaidoyer, et ceci à travers des événements en virtuel, comme aujourd'hui, pour parler de l'économie sociale et solidaire, pour parler du partenariat public-privé, des modèles et des marchés inclusifs, mais dans des rubriques qui emploient beaucoup plus de femmes que d'autres. Parler un peu sur l'agenda 2030 et surtout sur l'ODD 5 qui est sur l'égalisation, l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les sexes. D'accord. Merci. On y reviendra après. Moi, je suis très passionnée. Je peux aller longtemps, mais je ne peux pas monopoliser. On reviendra rapidement vers vous. Donc, Madame Aïda Robben, qui a réussi en période Covid à décrocher une promotion. Félicitations, vous êtes la nouvelle chef de l'ONU Habitat en Tunisie. Je garde le masque malheureusement, donc encore une fois je voulais vous remercier Amina pour l'invitation à ce salon, très vraiment heureuse de partager ce panel avec uniquement des femmes, remercier également toutes les personnes qui ont vraiment contribué. Je sais que c'est difficile d'organiser un tel salon dans les conditions actuelles, donc vraiment félicitations à tous les organisateurs et organisatrices. Donc effectivement, j'ai décroché une promotion, donc je suis maintenant la nouvelle directrice du bureau de l'ONU Habitat en Tunisie. Donc je suis la petite sœur de Alissa, la petite sœur du programme des Nations Unies pour le développement, absolument. Il y a 23 agences des Nations Unies en Tunisie qui sont effectivement ici pour appuyer la Tunisie, son peuple, son gouvernement, sa société civile. Et durant la période Covid, bien sûr, l'ONU Habitat, c'est l'agence qui s'occupe de tout ce qui est établissement humain, qui s'occupe aussi des populations vulnérables qui travaillent et qui vivent dans les villes, ou qui, justement, sont dans des situations très, très vulnérables, comme par exemple les sans-abri. Donc, durant toute la période du Covid, l'ONU Habitat à appuyer les populations qui sont les sans-abri, essentiellement dans les grandes villes, à travers les centres d'appui du ministère des Affaires sociales, qui sont à Tunis, à Sousse et à Sfax. Et nous avons essayé réellement d'appuyer les populations sans-abri en développant les capacités, en réhabilitant les centres, en appuyant avec la mise en place d'équipements, mais également, je l'espère, bientôt d'un van, donc de transport, pour pouvoir effectivement aussi assurer le transport de ces personnes vers ces centres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore à peu près 400 personnes de sans-abri qui sont, disons, par mois, identifiées un peu dans les rues des grandes villes tunisiennes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je voulais aussi, en revenant à votre première question, dire qu'une crise, c'est aussi des opportunités. Et donc, peut-être pour les femmes particulièrement, qui sont toujours les plus vulnérables aux crises, on le sait, par des études scientifiques qui sont faites aussi et qui montrent que malheureusement, les femmes et les jeunes sont très souvent des populations ou des groupes qui sont les plus sensibles à tout ce qui est un peu de ce genre de crise. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue. Merci, Aïda. Alors, Madame Sahar Meshri, elle est directrice exécutive du magazine Le Manager.
Elle est également maître assistante à l'IHEC et c'est la spécialiste de mettre les autres sous les projecteurs. Et pour l'anecdote, quand j'ai invité Madame Mechelik, qu'on parlait de la préparation du panel, je lui ai dit que qu'on voulait avoir un retour sur expérience des femmes entrepreneurs, comment elles ont géré la crise. Et là, Madame Mechelik me dit, oui, je connais vraiment beaucoup de femmes entrepreneurs. Et avait... Mais je lui ai dit, non, c'est vous la femme d'exception avec laquelle on voudrait partager votre expérience. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter, Madame. Encore une fois, merci d'avoir... d'avoir dit oui et merci d'être là. Merci à toi, Amina. Merci aux organisateurs de Calieda de me donner cette opportunité et surtout de partager avec tes amis enfin, notre vécu et notre expérience. Bah, effectivement, oui, en quelque sorte, je me sens un petit peu l'ambassadrice des femmes entrepreneurs. Ce que je fais, enfin, moi, je produis du contenu. J'ai commencé ma carrière à produire un contenu académique en économie. Maintenant, depuis 6 ou 7 ans, je le fais dans le domaine des médias, sous d'autres formes, écrites, vidéos et podcasts. Et on le fait avec beaucoup de plaisir et de passion donc, dans le magazine Le Manager, qui est un magazine qui est aussi focalisé sur l'entrepreneuriat, sur les outils qu'on peut donner à un manager pour avancer dans sa carrière et pour développer son business. Et aussi, donc, on a un événement phare, Karim, elle était avec nous l'année dernière pour le jury, qui est trophée des femmes entrepreneurs de Tunisie. Et c'est pour ça que quand vous m'avez invitée, je me suis dit, ben, comme pendant la période de la Covid, on a fait un petit questionnaire pour sonder un petit peu leurs besoins. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de parler en leur nom. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on fait au manager. Avec toute l'équipe, bien sûr, que je remercie. Maintenant, enfin, si on parle un petit peu comment nous, on a géré la période de la COVID et du confinement. Honnêtement, pour notre activité, c'était quand même un traumatisme. Un traumatisme qui s'est accompagné d'une incertitude. Donc, au niveau psychologique, je dirais qu'il y avait deux phases dans la gestion de la COVID. Au début, tout le monde était un petit peu sur le qui-vive. Et c'est une situation qui nous a donné des ressources d'une manière instinctive. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Après, cette incertitude a perduré. Et c'est là où il a fallu faire appel à une certaine résilience psychologique, à une certaine endurance. Et durant toute cette période, comme tout le monde, il fallait un petit peu détecter les grands défis qui allaient se poser. Donc bien évidemment, comme tout le monde, il fallait gérer la trésorerie. Puis il fallait se retourner du côté RH. Que nous, on produit un contenu, donc ce sont les hommes et les femmes qui sont notre plus grand capital. Donc il fallait un petit peu trouver une manière de les motiver autrement. Il fallait développer une tolérance nouvelle dans cette nouvelle conjoncture, qu'on gère un petit peu les anxiétés des uns et des autres. Et d'une certaine manière, ça nous a permis un petit peu de nous rapprocher de notre équipe et de voir un petit peu le côté humain dans chacun d'eux. Mais d'un autre côté, il fallait rappeler les exigences de notre commission, parce que nous, enfin, on est dans la presse et on se doit d'être présent. Hein. Donc là, je pense que c'était quand même un défi majeur et je pense que ça nous a permis aussi de repenser pas mal de choses et de nous faire accompagner par un partenaire pour retrouver un petit peu, enfin redéfinir un petit peu le système de motivation d'une manière un petit peu plus
professionnaliser. Il y avait aussi un défi organisationnel. Alors, heureusement, nous, au manager, j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est jeune, qui est très portée sur le digital. Donc, on était d'emblée sur une plateforme collaborative. Quand on était sur le même site. Donc, ça n'a pas du tout changé notre manière de travailler. Mais quelques mois après, quand on voyait que la situation, elle pouvait durer, donc ça nous a un petit peu appelé à penser à digitaliser encore plus les process et d'installer un ERP qui est adapté un petit peu à notre activité avec BeWild, notre partenaire en commun. Donc voilà, puis bien sûr il y a le défi du business, il fallait être un petit peu à l'écoute tout le temps, de repenser à l'écoute de nos lecteurs, à l'écoute de nos annonceurs, de repenser un petit peu le circuit de distribution parce qu'on ne pouvait plus imprimer, donc ouais. D'accélérer la digitalisation de la manière de consulter le magazine papier en ligne. D'accord. Ce qui est différent du journal en ligne qui est déjà en place. Et ça, c'était un projet que nous pensions faire maintenant il y a un an et demi avant l'avènement du Covid. Durant le Covid, on l'a fait en 5 jours. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu les grands jalons de la gestion de la période post-Covid, enfin ou Covid, que je pense que c'était dur, mais que implicitement ça nous a permis d'avancer quand même sur pas mal d'aspects organisationnels et RH. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sahar. Je voudrais profiter de ce panel pour remercier une cinquième intervenante qui devait être parmi nous, la plus tunisienne des Sénégalaises, son Excellence Ramatullah Bafé. À cause d'un cas de force majeure, elle n'a pas pu être ici, mais ça n'est que partie remise, elle le sera Inch'Allah l'année prochaine. Coucou Rama. Donc Rim, je reviens vers toi. Parle-nous un peu de ta stratégie de relance, de la stratégie de Topnet pour relancer. Là, on devait être pendant la phase de relance. Malheureusement, la pandémie, le virus en a voulu autrement. On gère encore cette résilience. Mais l'après-Covid, comment est-ce que vous le voyez chez Topnet? Je vais commencer par parler de... Comme tu le sais, vous le savez tous, Emine, Topnet, elle est parmi les acteurs majeurs dans la digitalisation de la Tunisie, vu la part de marché de Topnet en termes, que ce soit sur le B2C ou sur le B2B. Et la stratégie de Topnet, elle se base sur trois axes principaux. Le premier axe, et là je vais parler dans le cœur de la relance, on n'a pas le choix en fait. La relance, c'est dans le digital. Oui. C'est ça. La relance, c'est dans le digital. Donc, et nous sommes plein dedans. Donc, la stratégie de Topnet, elle tourne autour de trois axes. Le premier, c'est la démocratisation du très haut débit et la généralisation du très haut débit. Là, je profite de parler des investissements lourds que fait l'opérateur historique Tunisie Télécom, qui est la maison mère, dans la modernisation du réseau actuel et dans la mise en place de la fibre optique sur tout le territoire tunisien. Et ce, dans le but de démocratiser le très haut débit. Le deuxième axe tourne autour de la valorisation de l'innovation afin d'enrichir l'expérience des clients, et ce, à travers l'open innovation et la collaboration avec l'écosystème des startups pour proposer des solutions de qualité innovantes à nos clients qui vont
les aider à accélérer leur transformation digitale. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur transformation digitale. Et pour ce faire, Marata Topnet dispose d'une panoplie très diversifiée de solutions innovantes. Commençons par la connectivité qui est le socle. Marata, sans connectivité, on ne peut rien faire, qui est le socle de la transformation digitale. Et là, on propose de la fibre optique. On propose de la fibre optique pour tout type d'entreprise. La fibre, elle existe sur tout le territoire grâce au réseau étendu de la fibre optique mis en place par Tunisie Télécom. Et je m'excuse. Pour les TPE et les pros, on leur propose le Rapido Pro qui est aussi qui se base sur la technologie VDSL et sur la fibre optique pour les zones couvertes. Oui, Amina. Et les femmes dans tout ça, les femmes entrepreneurs, parce qu'on me dit qu'on a encore 5 minutes. Ah non, je dois finir quelque D'accord, chose. Je ça c'est pour la connectivité, mais on a aussi les solutions cloud, que ce soit les infrastructure as a service ou software as a service. Je profite pour. Bien sûr, c'est le moment où jamais. Topnet, elle dispose aujourd'hui de son propre data center. Et nous avons aussi notre plateforme OpenStack de cloud où l'entreprise elle peut directement avoir des ressources virtuelles sans faire de l'investissement dans le hardware. Et on n'oublie pas le côté sécurité. Aujourd'hui, c'est la guerre de nerfs, la sécurité. Et Topnet, elle est MSSP, Managed Security Service Provider, depuis 2014. Coucou. Donc, on est expert là-dessus. Et on propose une panoplie très diversifiée de sécurité qui va aider les entreprises à accélérer leur transformation digitale et le transfert des applicatifs métiers, qui m'a le RP dont parlait Sahar tout à l'heure. De le transférer sur le cloud. Et ça va accélérer la transformation digitale. Donc, voilà. Je suis désolée. Alors, Alissa, est-ce que tu pourrais nous parler d'initiatives ciblées du PNUD pour aider les femmes entrepreneurs en post-Covid ou classiquement qui pourraient s'adapter vraiment à cette situation? Pour après laisser... Bon, je vais faire très rapidement pour laisser aussi la parole à mes collègues. Merci. Comme j'ai dit, j'ai donné quelques exemples de comment travailler durant le Covid pour qu'il y ait une continuation du travail des toutes petites entreprises et surtout celles qui sont avec les femmes. Il y a aussi des partenariats, des partenariats stratégiques, comme par exemple avec Orange. On a avec Orange pour développer tout ce qui est l'innovation sociale et surtout pour les femmes. Au niveau global, il y a un projet qu'on a aussi amené à la Tunisie et il vient de commencer pour faire une étude sur l'environnement des marchés inclusifs, des affaires inclusives en Tunisie. Je donne un exemple, c'est le Business Call to Action, ça s'appelle le programme. Et un des exemples, par exemple, comment il a été adapté aux femmes, je donne un exemple de l'Asie, avec Bata. Bata qui fait les chaussures. Et avec toute la philosophie des marchés inclusifs, c'est comment inclure les plus pauvres de la base de la pyramide sociale, donc comme non seulement comme consommateurs, mais aussi comme distributeurs, dans la chaîne de valeur du boulot. Alors ils ont fait une ligne spécifique de chaussures qui est accessible, qui est durable et que les femmes dans les communautés les distribuent. Et les vend, et alors ici il implique les femmes dans leur modèle de business, et ceci c'est ce qu'on voudrait faire en Tunisie. IBM, ils se sont engagés avec le PNUD de former 25 millions de jeunes filles et garçons sur tout ce qui est digital, et j'espère que la Tunisie aura sa partie aussi. Il y a beaucoup de choses, mais je vais donner... Là, on est... On nous dit de speeder dans la régie. Le marathon.
Oui, c'est le marathon. Alors, ride. J'ai dit tout à l'heure, Renew Habitat, okay. C'est des opportunités autour de la ville. Donc, il faut savoir aussi qu'autour de la ville, Renew Habitat est en train de lancer la politique urbaine nationale avec le gouvernement tunisien. Qui dit politique urbaine nationale dit implication des 350 communes maintenant. Ça, wow. Donc 350 communes, c'est autant de jeunes femmes qui sont dans ces communes, et autant d'emplois de proximité et autour de la ville à développer. Donc ce sont les emplois autour du transport, autour de la mobilité douce, autour de la proximité, autour des personnes vulnérables. Il y a réellement énormément d'opportunités que l'on va essayer bien sûr de pousser nous-mêmes et d'essayer de développer ces opportunités. Voilà, donc je passe la parole. Alors, Sahar, pour donner de l'espoir à ces femmes entrepreneurs qui nous écoutent, excusez-moi la régie, on termine. Donc, comment donner de l'espoir, toi qui es une femme entrepreneur qui a réussi à gérer cette crise, comment donner de l'espoir aux femmes pour continuer, pour avancer, pour la relance? D'abord, en tant que, c'est-à-dire que nous, en tant qu'un média, comment donner espoir aux femmes, c'est de montrer que c'est possible et que et de montrer, enfin, et de valoriser toutes ces role models, enfin, qu'on voit, qui sont en train de créer des choses, qui sont là, hein, et de montrer surtout le message, c'est que si on veut, on peut, c'est-à-dire si on se donne les moyens de ses ambitions, on peut y arriver. Nous, en tant que média aussi, je pense qu'on est une tribune de plaidoyer pour l'égalité des chances, et d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, le numéro de mois de mars va être dans ce sens-là pour qu'on promeut un petit peu les femmes dans les conseils d'administration, pour qu'on promeut un petit peu les femmes à la tête des entreprises publiques et semi-publiques, et on voit bien que vraiment il y a des success stories desquelles on peut s'inspirer et qu'on duplique ces cas-là en fait. Et moi, enfin personnellement, nous, on a aussi avec le projet Femmes Entrepreneurs, hein, donc elles candidatent, les candidatures vont fermer dans 2 ou 3 jours. Il y a un problème d'accélération, il y a une visibilité énorme, il y a un réseautage énorme. On a une page dédiée, donc un réseau social pour les femmes entrepreneurs, avec éventuellement... La Covid était là, malheureusement, mais à qui il était question d'organiser des événements B2B entre elles et de développer un petit peu le réseautage, parce que ça reste quand même un des grands handicaps pour les femmes dans le business. C'est le réseautage qui reste très masculin en Tunisie. Et finalement, je pense que l'espoir est là. Il faut qu'on s'accroche toutes, qu'on s'aide, et c'est que du bon pour notre pays. Merci. Merci mesdames pour votre contribution. Merci à l'équipe, même si vous nous avez vraiment secouées aujourd'hui. Merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que l'année prochaine, je fais vite, hein. Merci, j'espère que l'année prochaine, on parlera de comment on a réussi à dépasser cette crise, comment les femmes ont eu plus de postes à haute responsabilité, comment les femmes ont pu créer leurs entreprises, avoir plus d'offres, plus de marchés. Merci, je termine.